autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom, point d'autre nom que le nom, que le nom de Jésus. Tu es digne de gloire, tu es digne de puissance. À toi sois la louange. Monter une adoration que toi et le Père seul entendent. Rabba Santa Hinderibahada. Rekaba Sondo Boshenderibi. Indaba Saka Hinderibahanda Hindaraba. Yokorobobo Santa Hindaraba. Si tu ne sais pas prier en langue, parle à Dieu. Dis à Dieu combien tu l'aimes. Dis à Dieu combien il est merveilleux. Dis à Dieu combien il est glorieux. Dis à Dieu combien le nom de Jésus est le seul élevé sur la terre, dans les cieux, sous la terre. Proclame le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, oui Jésus, 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 proclame-le Jésus, oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 proclame-le, Jésus. Quand tu le proclames, il envahit l'atmosphère de ta maison. Il remplit tout en tous. Il est la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous. Jésus, Jésus, Jésus. Car celui qui honore le Fils honore celui qui l'a envoyé. Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Que l'Esprit de Jésus remplisse tout en tout. Jésus, Jésus. Il chasse les ténèbres dans ta maison alors que tu proclames Jésus, Jésus, Jésus. Les yeux de ton cœur sont illuminés alors que tu dis Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 oui, dis son nom, Jésus. Son nom est le plus beau de tous les noms. Son nom est le plus beau de tous les noms. Murmure son nom, proclame son nom, Jésus, Jésus, Jésus. Que tes regards soient sur lui et tu dis Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus.
Jésus. L'oppression s'en va alors que tu dis Jésus. Jésus. Ne t'arrête pas de dire Jésus. 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 Ne t'arrête pas. Jésus. 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 Tu es rassasié par sa vie. Jésus. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus, Jésus. Le nom Jésus, 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 il te touche là, Jésus, 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 celui qui a porté les maladies, les infirmités, pour te donner la vie, la santé, alléluia, Jésus, Jésus. De ta maison, de ton cœur, commence à être envahi par la paix que Jésus est. Quand il vient, le trouble s'en va. Jésus, 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 Jésus. Et l'oppresseur s'en va parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Jésus, tous les autres noms sont des idoles qui ne peuvent sauver. Qui ne peuvent délivrer. Jésus seul délivre. Jésus délivre. Éternel a juré, il a dit, tout genou fléchira. Et c'est le nom de Jésus. C'est son nom et son nom seul. Jésus, oui Jésus, Jésus. Toute langue jurera par Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alors que tu invoques celui qui sauve, Jésus, il vient à ta rencontre. Il vient à ta Jésus, rencontre. L'Esprit de Jésus vient à ta rencontre. Il entre chez Jésus, toi. Il entre chez toi. Jésus, tout vêtu de blanc, il entre chez toi. Jésus, et il vient, il met sa main sur toi. Il te visite ce matin. Il te visite ce matin. Jésus, il te visite ce matin. Jésus, reçois sa visitation. Jésus. Jésus. Jésus, il pose sa main sur ton épaule et te dit, ne crains rien. Oui, Jésus, Jésus, alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je viens à toi pour te conduire dans toute la vérité. Je m'appelle Jésus de Nazareth. Regarde mes mains percées. Elles ont été percées pour toi. Elles ont été percées pour toi. Regarde mes pieds percés. Ils ont été percés pour toi. Regarde mon côté. Il a été percé pour toi. Je viens à ta rencontre, mon enfant, ce matin. J'entre chez toi. Oh, je veux faire ma demeure chez toi. 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 Je veux plus être un visiteur, mais je veux faire ma demeure chez toi. Partageons le repas ensemble. Jésus, Jésus, oh Jésus, il s'appelle Jésus. Jésus, il s'appelle Jésus. Jésus, 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 Jésus. Il guérit ton cœur blessé.
et guéris ton cœur brisé. Sa main porte un baume et il pose sa main sur ton cœur. Et ton cœur est guéri maintenant par Jésus. Alléluia. Les maladies s'enfuient. Les démons s'enfuient. Qu'en proclamant le nom de Jésus. 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 Lui tes regards, car celui qui tourne vers lui les regards est rayonnant de joie et son visage ne peut être couvert de honte. Tourne-toi vers lui et tu seras sauvé. Tourne-toi vers lui ce matin dans ta maison, détourne-toi de toutes choses et tourne-toi vers lui simplement. Tourne-toi vers lui, il est là, il se tient devant toi et il dit viens à moi, viens à moi. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Il remplit tout en tous. Il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus remplit tout en tous. Il remplit ta maison de la présence du Père. Il remplit ta maison. Il remplit ta maison. L'Esprit de Jésus est là. L'Esprit de Jésus est dans ta maison. Et il vient te révéler Jésus ce matin. Alors lève tes mains vers le Père céleste. Et dis, mes mains se tendent vers tes paroles ce matin. Je tends mes mains vers tes paroles. Je tends mes mains vers tes paroles. Je tends mon cœur entier vers tes paroles. Je tends mon cœur, je tourne mon cœur vers tes paroles. Pour recevoir tes paroles. Pour recevoir ta grâce. Pour recevoir tout de toi. Oh Seigneur, nous voici devant toi. Toi, nous voici devant toi. Tu m'as fait la grâce de me tenir là devant toi. Et je prie, Seigneur, que tout ce qui est de l'humain, tout ce qui est de moi-même s'efface. Que Jésus seul soit vu, que Jésus seul soit contemplé, que Jésus seul parle à son peuple, que Jésus seul parle à son peuple et que le peuple reçoive ta parole, non pas comme la parole d'un homme, non pas comme la parole d'une femme, mais la parole même qui vient de Dieu, la parole même qui vient de Dieu. Seigneur, ce matin, que tout esprit perturbateur soit détruit maintenant au nom de Jésus, soit chassé au nom de Jésus, soit mis en effet au nom de Jésus, soit balayé au nom de Jésus. Je chasse tout esprit perturbateur, tout esprit de révolte, tout esprit calomniateur, au nom puissant de Jésus, tout esprit d'assoupissement, je le bannis maintenant de cette plateforme, de ce lieu au nom de Jésus. Je prends autorité sur les esprits de doute, je prends autorité sur les esprits d'incrédulité, je prends autorité sur les esprits d'assoupissement, que le Saint-Esprit de Dieu seul rayonne. Que le Saint-Esprit de Dieu seul parle. Que le Saint-Esprit de Dieu seul manifeste sa gloire. Au nom puissant de Jésus. 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 Ce matin est un matin de triomphe. Ce matin est un matin de victoire. Ce matin est un matin de recouvrement de la vue. Ce matin est un matin de guérison. Ce matin est un matin de délivrance. Ce matin est un matin de sagesse. Ce matin est un matin de joie, de rédemption. Oh, merci Seigneur. Ce matin, Jésus-Christ délivre. Il délivre parfaitement. Il délivre totalement. Il délivre totalement. Toi qui étais lié pendant des années, tu es libéré maintenant. Au nom de Jésus, tu es délivré maintenant au nom de Jésus, tu es affranchi maintenant au nom de Jésus, tu vas et tu fais des délices du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Esprit de Jésus,
prends toute la place. Prends toute la place et parle à ton peuple. Je m'efface, je disparais. Toi seul prends la place. Parle à ton peuple comme tu le veux, car ce peuple t'appartient. Ce peuple est à toi. Ce peuple est à toi. Tu l'as racheté au prix précieux de Jésus. Tu l'as racheté à un sang précieux. Ô Père, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Répands ta parole. Répands ta parole avec ton esprit. Et que ta parole produise du fruit dans chaque cœur. Pas seulement pour ceux qui sont connectés avec nous maintenant, mais pour tous ceux qui suivront dans la suite. Tous ceux qui écouteront dans la suite. Je prie, Seigneur, afin que le Saint-Esprit de Dieu atteigne sa cible et que Jésus soit révélé. Jésus soit glorifié. Que les vies soient délivrées. Que le salut parvienne à chacun. Au nom puissant de Jésus. Que personne ne soit exempté de ton action ce matin. Que personne ne soit exempté de ton action ce matin. Au nom de Christ Jésus. À toi seul soit l'honneur, la louange et la gloire, Père. Amen. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que tu veux saluer avec un sourire fraternel, tout en respectant les mesures qui ont été données, un sourire fraternel à ton voisin, à ton frère, à ta sœur. Alléluia. Dis-lui bon appétit dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Je nous salue, bien-aimés de Dieu, fils et filles du roi des rois. Alléluia. Je salue ceux qui ont été rachetés par le sang précieux de Jésus, ceux en qui Jésus habite. Je salue tous ceux qui ont soif et faim de la parole de Dieu, tous ceux qui ont soif et faim de vivre la réalité de Dieu. Je salue ceux qui ont été rachetés à un grand prix. Je salue la possession de Dieu, ceux qui appartiennent à Jésus. Alléluia. Ceux qui ont été marqués par le sang de Jésus. Je salue des temples. Chacun est un temple du Saint-Esprit dans sa maison. On n'est pas ensemble dans un lieu physique, mais tu es un temple. Tu es le temple saint de Dieu. Et Dieu habite en toi, alors je te salue. Alléluia. Alléluia. Tu es une habitation de Dieu en esprit. Et ce matin, le Saint-Esprit qui habite en toi veut t'enseigner. Dis avec moi, Saint-Esprit, enseigne-moi. Oui, c'est lui qui est l'enseignant. Car la Bible dit que nul ne dira à son frère, connais Dieu, car tous seront enseignés. Et c'est l'Esprit qui le fait. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est en toi, il est celui qui va t'enseigner toutes choses ce matin. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Rendre grâce à Dieu pour cette semaine merveilleuse que nous avons passée dans la présence de Dieu. Alléluia. Vraiment, c'était une semaine bénie. Et je pense que tout le monde peut y prendre part. Alléluia. C'était pour les femmes, c'est vrai, mais je crois qu'un homme aussi trouve sa portion dedans. Amen. Alors, nous allons faire un petit canevas qui sera disponible pour les femmes, mais les frères aussi peuvent se le procurer si vous voulez refaire la retraite, parce que c'est un temps d'amorce, mais le Seigneur veut que chacun reprenne ses points. Et dans ces temps de prière, reviennent là-dessus afin qu'ils approfondissent. J'ai vu que c'était un temps de profondeur, un temps de relèvement, un temps où le Seigneur a puissamment touché ses filles et à lui seul soit la gloire, à lui seul soit l'honneur. Alléluia. Et je veux vraiment remercier notre pasteur, le pasteur Doudou, visionnaire de cette œuvre qui nous a donné cette plateforme et qui nous a soutenu de ses prières et de ses paroles de bénédiction. Nous sommes reconnaissants et nous te disons merci pour cette foi et pour cet engagement constant afin que la volonté de Dieu soit accomplie en tous, pas seulement dans les frères, mais aussi dans les femmes, dans les enfants, dans tout ce que le Seigneur te donne. Alléluia. À Dieu seul soit la gloire. Merci beaucoup. Alléluia. Amen, amen, amen. Je veux remercier aussi toutes les femmes ainsi que l'équipe d'organisation qui s'est donnée à fond. Merci à tous les frères qui ont prié pour nous. Merci à tous ceux qui nous ont aidés et qui vont encore nous aider parce que nous avons besoin de vous. Nous ne sommes pas sans l'un sans l'autre. Les femmes ont besoin des hommes, les hommes ont besoin des femmes. Alléluia. Et nous sommes tous un en Christ où il n'y a ni homme ni femme à Christ et à Christ seul. Alléluia. Merci, chers bien-aimés, pour la louange. Merci à toute l'équipe qui est là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.
Ce matin, nous allons partager sur ce thème les prières qui ne plaisent pas à Dieu. Est-ce que tu es prêt? Les prières qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a des prières qui ne plaisent pas à Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'exauce pas. Hein? Il peut exaucer, mais il n'y prend pas plaisir. C'est comme un père ou une mère qui doit faire quelque chose pour son enfant, mais qui n'y trouve pas plaisir à cause de l'attitude et du comportement de son enfant. Dieu peut faire beaucoup de choses, mais il peut ne pas y prendre plaisir. Mais une chose est nécessaire, une chose est suffisante, une seule chose compte, c'est de faire la joie de son père. Une seule chose compte, c'est de faire la joie de son maître. Il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous devons redimensionner nos vies à cette dimension. Pas à la dimension de j'ai été seulement exaucé, mais est-ce que j'ai fait plaisir à Papa bon Dieu? Est-ce que ce que j'ai dit là a plu à Papa bon Dieu? Est-ce que ce que comment je vis là plaît à Papa bon Dieu? Nous sommes dans une génération d'accomplissement où chacun veut faire, démontrer, voir, démontrer qu'il est. Mais est-ce que ça plaît à Papa bon Dieu? Si tu es un enfant de Dieu, puisque tu es un enfant de Dieu et tu es un enfant de Dieu, Papa dit dans la bouche du Seigneur Jésus, que lui, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Mais prend-il plaisir aux méchants? Non. Mais le méchant doit-il dire, « Ah, de toute façon, Dieu m'exauce, il m'a encore donné le jour, allez, je sais que je suis agréable à lui. » Non. Les prières qui ne plaisent pas à Dieu. J'étais étonnée de voir. Je le savais, mais l'Esprit m'a dit, « Montre-leur. » Pourquoi il y a des prières qui ne me plaisent pas? Pourquoi il y a des prières qui ne me plaisent pas? Et le Saint-Esprit de Dieu est là ce matin pour circoncire ton cœur des prières qui ne lui plaisent pas. Pour circoncire ton cœur de toutes les tendances qui sont là et qui font que tu cours après des choses qui ne plaisent pas à Papa bon Dieu. La Bible me dit que le jour du baptême de Jésus, le Père a fait entendre cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire qu'il n'y a plus une seule portion de l'affection de Dieu qui se trouve ailleurs. Quand Dieu dit qu'il a mis toute son affection, vous savez, le Dieu grand, le Dieu qui n'a pas de commencement ni fin, le Dieu dont les cieux ne peuvent pas le contenir. Les hommes sont en train de chercher à découvrir les limites des cieux. Ils n'arrivent pas. Mais la Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Ce Dieu tout grand, tout puissant, hein, il dit que tout ce qui lui plaît là, tout ce qu'il aime là, il a mis ça en Jésus. Donc, si on est en dehors de là, on ne peut pas trouver quelque chose qui plaise à Dieu. 1 Roi chapitre 3, versets 5 à 15. C'est notre texte de base. Et Matthieu 7, 7, ce sont nos deux textes de base. 1 Roi 3, versets 5 à 15. 1 Roi 3, 5 à 15. Nous allons lire toute cette portion. 1 Roi chapitre 3, versets 5 à 15. C'est 10 versets. Nous allons les lire en... Lisons ensemble, si vous avez trouvé, ou sur l'écran. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Lisons ensemble. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Pause. Matthieu 7, 7. Lisons ensemble.
Demandez et l'on vous donnera. Stop. Retournons, 1 Roi chapitre 3, verset 5. Lisons encore. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Continuons. Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Amen. Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Amen. On s'arrête d'abord là. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Dieu dit, demande ce que tu veux. Et ce matin encore, Dieu te dit, demande ce que tu veux. Matthieu 7, 7 dit, demandez et l'on vous donnera. Donc Dieu nous a donné carte blanche. Demande ce que tu veux. Et regardez Salomon qui commence à parler. Je suis sûr que si c'était quelqu'un ici qui entend Dieu venir en songe, lui dit, demande ce que tu veux. Il va dire, une grosse voiture, une limousine. Donne-moi une Range Rover. Donne-moi. Est-ce que Salomon a parlé comme ça? Salomon a commencé à dire à Dieu, tu as traité avec une grande bienveillance. Dieu est un roi. Il a son protocole, qui n'est pas un protocole vain, mais qui est un protocole salvateur. Quand tu ne suis pas le protocole de Dieu, tu n'arriveras jamais au cœur de Dieu. Il y a des gens, quand ils entrent dans la présence de Dieu pour prier, « Seigneur, tu as dit de demander, non? Ah, je suis là. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. » Et puis, allez, et que ça saute, et puis je m'en vais. Waouh! Waouh! Regardez la manière de parler de Salomon. Il n'y a pas un seul mot qui est écrit dans la Bible qui ne serve pas à notre instruction. Salomon commence par relater l'histoire et dire à Dieu qui il est. Tu as traité avec une grande bienveillance. Certains vont dire, mais toutes ces paroles-là ne servent à rien. C'est juste qu'il a demandé la sagesse. Non, 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 non. C'est parce qu'il a pensé comme ça. Et Salomon, c'est un gars qui a reçu cette instruction de son père. Il était jeune. David l'a eu dans sa vieillesse. David l'a eu, il n'était pas aussi âgé que les Adonijah, les Amnon qui est mort, les Absalom. Salomon est un fils qui est né plus tard. Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas de ton âge vis-à-vis de tes enfants. Ce n'est pas toi qui leur donnes la vie. Ce n'est pas parce que tu as 60 ans et que ton fils a 5 ans que tu dois t'inquiéter. Non! Non! Ton Dieu, si tu as confiance à ton Dieu et que tu lui instruis tout, comme David disait, comme Salomon disait, j'étais un fils auprès de mon père. Donc David, Salomon a reçu quelque chose de la part de son père. Ainsi, toi-même, par la foi, ton âge ne compte pas. Quelqu'un peut laisser mourir et laisser son enfant à 12 ans et cet enfant-là est plus intelligent que quelqu'un qui a 45 ans et qui a toujours son papa.
Parce que chaque jour, son papa a su investir en lui un peu de sagesse. Il y a une sagesse que Dieu seul donne, mais il y a une sagesse qu'un père donne à son enfant. Et Salomon était là à côté de son père. Il entendait les prières de son père. Il entendait comment son père relatait toujours l'histoire. Seigneur, tu as pris Abraham de l'autre côté du fleuve. Tu l'as fait sortir. Tu l'as fait marcher. Tu l'as promis cette nation. Et tu l'as envoyé en Égypte. Tu l'as fait sortir de là avec des grands signes, des prodiges. Tu l'as emmené ici. Et tu m'as emmené jusqu'à ce point. Parce que Dieu, son histoire n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et toujours. Quand Dieu établit quelque chose, il ne change pas en cours de route. Non. Il ne change pas en cours de route. Donc ce que Dieu a écrit depuis le début là, il continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Salomon parle à Dieu avec adoration. Il dit à Dieu, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David. Qu'un père ici reçoive la grâce d'enseigner à son enfant, aussi petit soit-il, la manière de communiquer avec Dieu. Alléluia. David, Salomon était un jeune homme, mais il sait parler à Dieu. Il dit à Dieu, tu as traité. Il met Dieu au centre. Il ne vient pas dire, moi je suis. Il dit, tu as traité avec une grande bienveillance. Tu es un Dieu bon. Il est en train de dire à Dieu, tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu très bon. Et tu as traité avec bienveillance qui? Le roi David? Non. Tu as traité avec bienveillance qui? Ton serviteur David. Vous savez, quand tu parles à quelqu'un, par exemple, si tu es en train de parler à ton père, tu es marié, tu es en train de parler à ton père, tu ne vas pas lui dire, papa, mon mari a dit ceci. Non. Tu dois lui dire, ton fils a dit ceci. Là, tu montres le respect que tu as envers ton père. Si tu arrives, tu lui dis, mon mari a dit ceci. Tu t'es mis au centre. Tu n'as pas considéré sa position. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis, quand le jour où papa Karambiri va venir ici, si quelqu'un m'appelle maman ou papa devant eux, je te valse avec un regard, tu ne vas même pas imaginer. Pourquoi? Parce que s'il est là, je n'ai plus cette place. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'on parle à Dieu. Tu dis à Dieu, il ne dit pas le grand roi David. Non. Il dit ton serviteur, mon père. Je n'appelle pas mon mari Doudou. Mais quand ma mère appelle, je dis, je vais te passer Doudou. Je ne peux pas lui dire, je vais te passer le pasteur. Vous comprenez? Je ne peux pas lui dire ça. Sauf si elle, parce qu'elle reconnaît sa position. Elle m'appelle à l'aide, mais parfois elle me dit, pasteur. Pour dire, je sais que Dieu t'a établi là. Mais ça, c'est à elle. C'est sa position. C'est son rôle. Quant à moi, je dois toujours me tenir comme un enfant. Vous comprenez? Tu ne peux pas m'arrêter devant papa Kambiri et puis dire, papa Doudou a dit. Donc, ça veut dire quoi en fait? C'est-à-dire tu as tout annulé, tu as tout gâté. Tu te tiens devant Dieu. Tu veux parler de ton mari. Bah, Seigneur, vraiment mon mari là? Non, ton serviteur. On replace tout à partir de lui. Ta servante, les enfants que tu m'as donnés. Ceux qui t'appartiennent, ces brebis qui sont à toi. Pourquoi me tenir devant Dieu pour prier pour vous en disant à Dieu, vraiment, mes brebis là, mes brebis, moi j'ai brebis, moi, je peux avoir brebis, moi, je suis mort pour qui? Je suis mort pour personne. Si tu ne pries pas bien pour moi, même quand il y a danger là, je disparais et puis je te laisse. Mais puisque tu pries pour moi, Dieu me donnera la force de tenir, pas pour moi, mais pour toi. Il faut avoir cette sagesse quand on s'exprime.
Il commence. Donc, il a reçu une portion de sagesse de son père, mais il sait que ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi qu'il va en bas, on va y arriver. Donc, il dit, regardez comment il fait. La première chose que tu dois savoir, respecte le protocole divin quand tu pries. N'arrive pas à Dieu. Commencez pas à dire tout. Rabababa, moi là, maintenant là, voilà, je suis atteint cet âge-là. Si tu ne me donnes pas un enfant l'année prochaine, tu as chaud. Si tu ne me donnes pas une femme l'année prochaine, là, toi et moi, on va se voir. Si ta parole est vérité, là, il faut que tu dises ça. On va... Aïe! Est-ce que tu peux même oser parler comme ça à un gouverneur? Tu peux oser parler comme ça à ton patron? Tu peux oser parler comme ça? Non! David et Salomon vient avec une grande révérence. Il commence par adorer Dieu. Et il positionne la volonté de Dieu au centre. Il dit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur, David, mon père. Il est aussi reconnaissant de sa position envers les aînés que Dieu leur a donnés. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont ni besoin d'être affiliés à qui que ce soit. Vous savez, certains disent, mais tous les jours, papa Karambili, vous-même là, vous n'avez pas de Dieu. Vous aussi, vous avez été appelé. C'est une grosse erreur. La Bible se fait, la foi se transmet de père en fils, de père en fils, de père en fils. Les choses se transmettent de père en fils. Si tu n'as pas de père, tu es foutu. Depuis que Dieu a créé Adam, quand il a pris Noé, quand il a pris Abraham, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme un relais. Tu n'as pas de relais. Tu viens comme ça là. Non, ça c'est moi quoi. C'est moi. Tu viens d'où? Tout ce qu'on peut demander à Dieu, c'est parce qu'on on l'a en Christ. Et en Christ, Dieu a établi des hommes et des femmes que nous devons reconnaître. Si tu ne les reconnais pas, tu es comme un électron libre. Tu dis à Dieu, moi, bon, Seigneur, c'est moi. Dieu dit, bon, ok. Attends, je vais t'instruire. Je vais t'instruire avec Salomon. David, mon père, il sait que David est le serviteur de Dieu. Donc Dieu dit, Seigneur, je prie pour ton serviteur, mon mari. C'est ce que la veuve a dit à Élisée. Ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. C'est ça. C'est ça la manière de parler. Un roi, un prince ne parle pas au hasard. Ce qu'il a entendu à la télé, c'est ça qui... Non, Dieu nous enseigne comment on parle ici. Il dit parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité. Donc, il sait que l'adoration, la soumission à Dieu, être fidèle à Dieu est indispensable. Ce n'est pas un Dieu qui... Tu fais ce que tu veux et puis ça marche. Non, il vient adorer Dieu. Il met Dieu au centre. Il dit, David marchait dans la fidélité, dans la droiture de cœur envers toi. Et tu lui as conservé. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il faisait ça que c'est indu. Les gens viennent à Dieu, tu vois, comme j'ai fait ceci, tu dois me faire ceci. Non, il dit, tu lui as conservé. Donc, c'est encore un acte de bienveillance de Dieu de conserver sa bonté envers David. Parce que quand David a détourné la femme d'autrui, David pouvait être irrémédiablement mis de côté. Mais c'est la bonté et la bienveillance de Dieu qui l'a mis là. Qui l'a gardé là. Et il dit, tu lui as donné un fils qui est assis sur le trône comme on le voit aujourd'hui. Donc, nous ne sommes pas encore au cœur des prières qui ne plaisent pas à Dieu. Nous sommes dans une introduction, juste pour que vous puissiez voir. Les prières qui plaisent à Dieu commencent par l'adoration. Une adoration où tu mets Dieu à sa place, où tu relates, tu reviens avec le passé. Pour entrer dans le présent, il faut d'abord commencer avec le passé, avec l'histoire. Et tu reviens avec l'histoire. Seigneur, voici. Même ton histoire personnelle, peut-être l'héritage que ton père t'a donné, ton héritage personnel. Tu commences à mettre Dieu à sa place. Et tu mets toutes les personnes d'autorité qu'il a mis devant toi à leur place en les mettant toujours comme des serviteurs et des servantes de Dieu. Mais en reconnaissant aussi ta propre place à côté. Et il dit, tu lui as donné un fils. Donc il reconnaît encore que lui-même, il est un don qui vient de Dieu. Et il dit, maintenant. Donc, après avoir adoré, remis, quand tu as remis le contexte, les choses sont à leur place. Vous savez, Dieu a fait une chose pour une place pour chaque chose et chaque chose doit être à sa place. Est-ce que vous avez déjà vu le soleil commencer par sortir en bas de l'eau?
Parce que Dieu l'a placé en haut, il va rester là-bas. Quand Dieu a placé, Dieu est un Dieu d'ordre. Quand il place quelque chose quelque part, il veut que ça reste là-bas. Et c'est à nous de venir respecter cet ordre-là et dire à Dieu, tu as fait ceci, tu as fait cela. C'est la justesse, c'est la sagesse. Et donc, quand Salomon a remis tout en place et que Dieu avait sa place, lui aussi, il connaissait sa place, il savait qu'il naît, il est un jeune homme, un don de Dieu à David, son père. Il va maintenant dire « maintenant ». Donc, il a quitté le passé, il a raconté. Donc, il a fait l'historique et il arrive et puis dit maintenant « maintenant ». Maintenant. De la même façon, tu peux commencer à prier Dieu. Dieu grand de l'univers, tu as créé les cieux et la terre. Tu as fait toutes les étoiles. Tu as créé Adam qui s'est égaré loin. Et j'étais parmi les nations païennes. Celle que tu n'avais pas choisie. Mais à Abraham, tu avais promis de bénir toutes les nations. Tu as suscité Abraham. Tu ne l'as pas abandonné. Et en Abraham, tu as suscité Jésus qui est venu marcher sur la terre. Tu ne l'as pas abandonné. Après lui, tu as suscité Paul. Tu as suscité des hommes et des femmes qui ont traversé les contrées. Seigneur, merci pour ces missionnaires-là qui sont venus chez nous nous annoncer l'évangile parce que tu avais dit que nous allons être sauvés. Aujourd'hui, tu m'as fait connaître ta parole. Merci pour mon père à qui tu as parlé, tu as donné ta parole. Et il m'a instruit. J'ai grandi dans ses voies. Seigneur, tu m'as montré que tu m'as appelé pour toi, en toi, Seigneur. Et en Jésus-Christ, j'ai eu une nouvelle identité. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour cette identité-là. Je suis devenu un même corps avec toi. Seigneur, les juifs comme les non-juifs, que peut regarder un non-juif et dire qu'il est mon frère? Parce que en Christ Jésus, tu nous as réconciliés. Père, je te rends grâce. Quand notre famille devait être bannie, maudite, tu es venu enlever la malédiction. Je te rends grâce, Seigneur. Oh, je suis là, Seigneur, comme ta fille. Je suis là, Seigneur, reconnaissant que tu m'as envoyé ses serviteurs, que mon pasteur est un don de toi. Tu m'as envoyé ceci, tu m'as envoyé cela. Je reconnais que tu m'as instruit à travers mon père, ma mère. Tu m'as instruit et tu m'as amené là. À toi soit la gloire. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Tu as fait une historique. Et tu es maintenant au point où tu dois demander. Mais on ne demande pas comme ça. Il dit maintenant, éternel mon Dieu. Il reconnaît la place que j'ai me vient de Dieu. Pour lui, c'était le règne en tant que roi. Mais pour une autre, Seigneur, tu m'as placé comme une mère dans cette maison. Seigneur, tu m'as placé comme une servante dans cette maison. Seigneur, tu m'as placé comme un employé dans cette entreprise. Seigneur, tu m'as placé comme une fille pour ma mère. Seigneur, tu m'as placé comme un témoin dans cette nation. Seigneur, tu m'as placé. Donc tu reconnais maintenant que là où tu es, que tu sois un esclave ou que tu sois un roi, c'est un placement divin. Est-ce que quelqu'un reconnaît ça? Que la place qu'il a aujourd'hui, que ce soit en tant qu'étudiant, en tant que travailleur, en tant que servante, en tant qu'esclave, en tant que mari, en tant que femme, en tant que célibataire, quoi que ce soit la place, c'est un don qui vient de Dieu. Et à ce don-là, tu dois reconnaître que je n'ai pas cette capacité. Qui pourrait être la femme d'un si grand serviteur de Dieu? Qui pourrait être, Seigneur, la servante d'une telle personne? Qui pourrait servir cette société comme il se doit? Comment puis-je le faire? Donc, il reconnaît que c'est Dieu qui l'a placé. Et il reconnaît aussi son incapacité. Je n'ai pas cette capacité. Je ne suis qu'un jeune homme. Je ne suis qu'un jeune homme. L'humilité. Il n'a pas dit, tous mes frères là ont été mis KO. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Je suis venu à la fin, mais en tout cas, mon père les a tous valsés, il m'a mis là. Non. Il a vu son incapacité, son indignité, son incompétence. Il n'y a pas une place où Dieu te place avec ta compétence. S'il y a ta compétence, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a placé. Parce que là où Dieu te place, il te place là, sans compétence. Et il attend un homme, une femme qui se met à genoux, qui dit, Dieu, tu m'as mis dans cette maison, tu m'as mis dans cette position, donne-moi la sagesse. Et donc, il dit, je n'ai point d'expérience. Verset 8. Et dit, ton serviteur, vous voyez comment il se place, je suis ton serviteur. Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face. Et sois intègre. Nous devons tous marcher devant la face de Dieu.
Si tu te vois par rapport à quelqu'un, si ta vie, tu la vois par rapport à quelqu'un, là, tu ne peux pas être intègre. Mais si tu te vois, toi, tu es une servante dans une maison, mais tu te vois comme une servante de Dieu. Tu ne te vois pas comme la servante de ta maîtresse, mais la servante de Dieu là. Tu es là pour servir Dieu là. Et tu dis, mais cette maison dans laquelle tu m'as placée, moi, je ne sais pas quelle est la destinée de cette maison. Je ne sais pas qu'est-ce que ces enfants dont je suis les nounous vont devenir. Je ne sais pas en tant qu'employé dans cette entreprise, qu'est-ce qu'elle va devenir? Quelle est la destinée de tous ces collègues qui m'entourent? Seigneur, je ne sais pas quelle est la destinée de tous ces employés que j'ai dans mon entreprise. Mais toi, tu le sais. Et je suis ta servante. Je suis ta servante ou je suis ton serviteur au milieu de là où tu m'as placé. Et je ne sais pas, je ne peux pas. Il est un peuple immense qui ne peut ni être compté, ni être dénombré à cause de sa multitude. Pourquoi? Tes projets envers ces personnes-là sont tellement grands que je ne peux pas l'imaginer. Je ne peux pas le compter. Je ne peux pas le concevoir. Mais tu m'as mis là. Alors, accorde-moi. Accorde à ta servante. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Pour Salomon, c'était pour juger. Pour quelqu'un d'autre, c'est pour servir. Pour quelqu'un d'autre, c'est pour aimer. Pour quelqu'un d'autre, c'est pour être soumis. Pour quelqu'un d'autre, quel que soit, si tu es un mari, tu as besoin de l'intelligence pour aimer. Si tu es une femme, l'intelligence pour te soumettre. Si tu es un enfant, l'intelligence pour obéir. Serviteur, l'intelligence pour servir avec crainte et tremblement. Tout le monde se retrouve dans ces quatre catégories. Si tu es un maître, l'intelligence pour accorder ce qui est équitable à tes serviteurs. Ces catégories-là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'est pas dedans. Accorde. Ça, ce sont les prières qui plaisent à Dieu. Dieu ne vient jamais. La lumière est faite du négatif et du positif. Mon titre est négatif, mais je vous ai donné le positif d'abord. J'ai dit les prières qui ne plaisent pas à Dieu. Mais je vous ai d'abord donné quoi? Le positif. Toutes les prières, les manières de prier qui plaisent à Dieu. Et quand vous prenez ce texte-là, si vous le collez avec la prière de Jésus, vous voyez les points clairs, les principes que Jésus a donnés, ils sont là. Dis, Père, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est là. Que ton nom soit sanctifié, il montre le nom de Dieu qui est bienveillant, bon. Que ton règne vienne. Il montre que Dieu veut qu'on marche avec lui avec droiture de cœur, justice. Que ta volonté soit faite. Il montre que c'est Dieu qui a fait tout ce qu'il a fait, qui l'a établi, qui lui a donné comme fils à son père Salomon, à son père David. C'est là. N'entre pas dans le protocole divin comme ça, dans la présence de Dieu. Allez, ouais, Seigneur, je suis là. Bon, aujourd'hui, là, j'ai besoin de ceci, 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 ceci. Hey, commence d'abord par dire quelque chose. Reconnais, adore-le. Adore-le. Parfois, quand je prie, je commence à adorer. À la fin, je ne sais même plus qu'est-ce que j'étais venu demander. Je me rends compte que ce n'est pas nécessaire. C'est déjà exaucé, c'est déjà pourvu. Tu viens le cœur chargé, tu commences à adorer Dieu et tes yeux s'ouvrent. Tu vois que mais ce problème-là, tu es qui même? Grande montagne, tu seras aplani. Tu n'es rien du tout. Et notre Père prend plaisir à ça. N'oubliez jamais le bon plaisir de Dieu. Faisons tout pour le bon plaisir de Dieu. Marchons sous la face du Seigneur. Pas sous la face de quelqu'un, mais sous la face du Seigneur. Tu es un père, marche sous la face du Seigneur. Une mère, sous la face du Seigneur. Un enfant, sous la face du Seigneur. Un serviteur, sous la face du Seigneur. Un maître, sous la face du Seigneur. Donc, comme le négatif et le positif, c'est ça qui donne la lumière. J'ai fait le positif. Maintenant, on va voir ce que Dieu dit. Dieu dit, cette demande plus à l'Éternel. Place-toi devant Dieu. Adore-le. Raconte ses merveilles. Comment il t'a délivré. Comment il t'a placé. Comment tu reconnais ta place dans tout son grand plan. Et puis, demande-lui un cœur. Dieu est bon, hein. Il dit, Salomon a demandé un cœur intelligent. Mais Dieu sait que lui donne pas un cœur intelligent. Lui donne un cœur sage. Il n'a pas dit, oh là tu as fait faute. Non, une petite faute mineure,
Dieu les a laissés de côté parce qu'il a vu que l'enfant, il avait capté quelque chose de son père. Alléluia. Maintenant, on dit que Seth demande plus à Dieu. Et Dieu dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne me demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y en a eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Pendant toute ta vie, aucun roi qui soit ton pareil. Parce que Jésus doit venir et puis il doit être détrôné. Donc, tant qu'il est vivant, il n'y a pas de pareil. Mais dès qu'il est mort, ça y est, c'est fini. Jésus est venu et il est plus grand que Salomon. Alléluia. Donc, voyons, et c'est la bouche de Dieu qui parle. Soyons attentifs. Dieu dit, tu ne m'as pas demandé, tu ne demandes pour toi. La première chose que je veux qu'on remarque, c'est pour toi. Pour toi. Si tes prières sont pour toi, égoïstes, pour toi. Quand Salomon demandait la sagesse, un cœur intelligent, c'était son cœur. Mais le but n'était pas pour lui. Ce n'était pas pour qu'il se repaisse, qu'il soit heureux, qu'il soit content. Non. Il a demandé la sagesse parce qu'il voyait une multitude de personnes qu'il devait servir au nom du Seigneur, en tant que serviteur du Seigneur. Tant que tu ne te positionnes pas comme un serviteur, tu dois te positionner comme un serviteur. Tu es un serviteur du Seigneur. Ne demande pas pour toi. Pour toi. Les prières égoïstes ne plaisent pas à Dieu. Les prières moi ne plaisent pas à Dieu. Ça ne plaît pas au Seigneur. Ça ne plaît pas au Seigneur de te voir tous les jours. Seigneur, moi. Quand Dieu voit ce que tu demandes là, c'est pour ta satisfaction. Il n'y a personne d'autre qui va en bénéficier, sinon toi et toi seul. Dieu dit, tu ne demandes pas pour toi. Ça veut dire, une longue vie pour toi, des richesses pour toi, la mort des ennemis pour toi. Vous voyez, on va aller comme ça. C'est comme si on a factorisé, maintenant on va développer le pour toi là. On va l'amener dans tous les... Donc, une longue vie pour toi. Une longue vie pour toi ne plaît pas à Dieu. Une prière où tu demandes une longue vie pour toi ne plaît pas à Dieu. Dis-moi amen. Une prière où tu demandes des richesses pour toi ne plaise pas à Dieu. Dis-moi amen. Une prière où tu demandes la mort des ennemis pour toi ne plaît pas à Dieu. Dis amen. Dieu ne veut pas ça. Pourquoi demander une longue vie pour soi ne plaît pas à Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Nous allons lire Exode chapitre 20, verset 12. Exode 20, 12. Il dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dieu a déjà donné un commandement. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Deutéronome 5, verset 16. Deutéronome 5, 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère pour avoir des jours prolongés et pour que tu sois heureux. Donc, deux choses. Si tu es un peu malheureux dans la vie, il n'y a aucun bonheur dans la vie, pose-toi la question. S'il n'y a pas un problème dans l'honneur que tu dois à ton père et à ta mère. Pour que tes jours se prolongent. Scientifiquement, on a démontré que les chromosomes, au bout de chaque chromosome, il y a ce qu'on appelle des télomères.
Écoutez, ne dis pas que tu ne peux pas comprendre. Tu peux très bien comprendre. Parce que Dieu écrit, c'est en toi, non. Tu peux très bien comprendre. Il y a des télomères. Ce sont des petits fragments de d'ADN qui sont plus ou moins longs par rapport aux personnes. Il y a des personnes qui ont des longs fragments et il y a des personnes qui ont des courts fragments. Et on voit que celles qui ont des longs fragments vivent longtemps. Et au fur et à mesure que tes jours avancent, ça se raccourcit. Et par un phénomène qu'ils ne comprennent pas, parfois ils ont mesuré pour une année, le truc était comme ça, et puis l'année d'après, ça s'est allongé. Sans un phénomène qu'on ne peut pas comprendre. Parce que naturellement, on se dit, si c'est long, ça va finir par se raccourcir jusqu'à quand tu vas mourir. Mais il y a des gens, hein, l'année passée, ils ont mesuré, c'était peut-être petit comme ça. Et l'année suivante, ou dans 2 ans, ça s'est allongé. Donc, ça c'est biologiquement. C'est-à-dire que quand tu insultes ton père, ta mère, dans tous tes chromosomes, là, ça se coupe comme ça. Coupe. Et ta vie est coupée en même temps. Mais chaque pas d'honneur que tu manifestes envers ton père et ta mère, ça s'allonge. Afin que tes jours se prolongent. C'est comme si Dieu n'avait pas déterminé une limite de jours, quoi. Et c'est comme si ça dépendait maintenant de nous pour que ça s'allonge ou ça se rétrécisse. Eh oui. Et quand Jésus est venu, il n'a pas changé ça. Éphésiens chapitre 6, verset 2 dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vivre longtemps sur la terre, ce n'est pas quelque chose qu'on demande à Dieu. On pratique ce qu'il a dit et puis tu vas vivre longtemps. Point. Pratique ça. Honore ton père et ta mère. On n'a pas dit honore ton père et ta mère chrétien. Même ton père sorcier a besoin, tu dois l'honorer. Dis-moi amen. Donc, ce n'est pas une prière qui plaît à Dieu parce que Dieu a déjà donné. Comment on fait pour vivre longtemps? Première chose, mais ce n'est pas la raison principale. Je vais donner les raisons secondaires avant de donner la raison principale. Une autre raison secondaire, psaume chapitre 34, verset 13. Psaume 34, verset 13. La Bible dit, « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ?» Vous savez, il y a des vieux qui vraiment cherchent à mourir. Il ne s'agit pas de vivre longtemps pour vivre longtemps et puis après tu es corps, on ne sait même plus. Tu es une fatigue pour tout le monde, tu ne vois plus, Alzheimer, quoi. Non, ça ce n'est pas une vie heureuse. C'est une vie longue et dans le bonheur que Dieu veut. Et quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Quand tu veux une longue, ce n'est pas pour être malheureux. Quand j'étais à Abidjan, j'étais avec un des papas, il disait... Il est âgé, c'est mon papa Adam que je salue. Il dit, si c'est pour vivre longtemps et être en charge aux gens, vaut mieux que Dieu n'a qu'à me prendre. Il est déjà âgé, il a plus de 70 ans. Mais il dit, si c'est pour ça là, vaut mieux que Dieu n'a qu'à me prendre. Je me suis assis, j'ai réfléchi là-dessus. Ceux qui ont atteint un certain âge savent que ça ne sert à rien de vivre... sans jouir du bonheur. C'est pour ça que Dieu dit, il rassasie de bien ta vieillesse. Parce qu'il veut que quand tu es vieux, tu ne sois pas koyo-koyo comme on dit familièrement, mais que tu sois en pleine vigueur. Mais regardez, Dieu dit ça. Il dit, verset 14, « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » Les choses là sont là. Ta bouche est le prolongateur ou le raccourcisseur de ta vie. Deuxième raison, honorer son père et sa mère. Première raison. Deuxième raison, ta bouche. Par ta bouche, tu peux l'allonger. Par ta bouche, tu peux la raccourcir. Par ta bouche, tu peux vivre heureux. Par ta bouche, tu peux vivre malheureux. Tout ça, c'est par ta bouche. Mais la troisième raison,
Et la raison essentielle, c'est que cette prière ne plaît pas à Dieu parce que Dieu, en Christ, n'a pas fait ça à Jésus. Vous m'entendez? Il n'a pas dit à Jésus, viens et vis une longue vie de 160 ans, heureux. Non, Jésus est mort à 33 ans, à l'âge au milieu. Et on dit que la mort d'un jeune est une malédiction. Dieu a mis en Christ tout son plaisir. S'il y a quelque chose qui n'a pas plu à donner à Dieu, à Jésus, il ne prendra pas plaisir à te le donner non plus. Tu dois savoir que Jésus est au-dessus de tout et que Dieu est ton Père en Jésus-Christ. Il n'est pas ton Père par toi-même. Il est ton Père en Jésus-Christ. Si tu négliges Jésus, si tu ne l'honores pas, si tu ne considères pas sa vie, si tu te mets au-dessus de lui, alors Dieu n'a plus rien à faire avec toi. Si Dieu exauce Salomon en disant, oui, moi j'aime quand on me demande une longue vie, alors il doit donner une longue vie à Christ, ce qu'il n'a pas fait, pour nous montrer que c'est une prière qui ne lui plaît pas, parce que ce n'est pas une prière primordiale. La prière primordiale, c'est ce que Jésus a dit. Je suis venu non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si dans la volonté de celui qui t'a envoyé, il se trouve la longue vie là-dedans, alors cela plaît à Dieu. Mais qu'est-ce que tu dois demander? Pas la longue vie, la volonté de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, il y avait pour Jésus mourir à 33 ans. Quand tous ses disciples lui ont dit, « Oh, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Il dit, « Arrière de moi, Satan. » Dieu doit rester en tout point au-dessus de toutes nos demandes et même de ses promesses. Christ n'a pas demandé la longévité quand il était sur terre. Il a dit, je viens pour faire ta volonté. À 33 ans et demi, il est parti. N'a-t-il pas réussi? Si. Il y a aussi des hommes et des femmes qui, à cause de l'évangile, sont morts au milieu de leurs jours. Étienne en fait partie. Jacques en fait partie. Leur mort a-t-il plu à Dieu? Oui. Alors si Dieu doit donner la longue vie à tout le monde, alors sa volonté est devenue maintenant assujettie à ce qui se passe sur la terre. Et cela ne doit pas l'être. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? En Christ, Dieu a mis tout son plaisir. Si tu cherches quelque chose qui n'est pas en Christ, que Dieu n'a pas donné en Christ, et que tu le cherches maintenant, tu as un problème. Parce que Dieu fait toutes choses selon un âge. Et l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge de la grâce, l'âge de la rédemption. C'est l'âge où Jésus est venu et il est venu pour sauver. Il est mort à 33 ans. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour que nous puissions avoir la vie. Et en ça, il dit, si tu crois en lui, tu vivras quand bien même tu serais mort. Dieu a exaucé Jésus en lui donnant la longévité, mais ce n'est pas une longévité première, c'est une longévité après la résurrection. Ce n'est pas la longévité de la terre, ok, je vis longtemps, mais je fais ce que je veux. Non, 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 c'est la longévité qui vient après la résurrection. Psaume 21, verset 5. On parle d'une prière d'un roi. Suivez très bien, ne décroche pas, c'est là le point essentiel. Il faut que tu saisisses ça. Psaume 21, verset 5. La Bible dit, « Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. » Une vie longue et pour toujours et à perpétuité. David a-t-il vécu une vie longue et pour toujours et à perpétuité sur terre? David est bien mort, non? Il parlait ici de Jésus. Quand il est venu et qu'il est venu pour faire la volonté du Père, il savait que sa vie s'arrêterait à 33 ans et demi. Mais il savait qu'il pouvait demander à Dieu la vie, une vie après la résurrection. Et Dieu lui a donné la vie et une vie longue et pour toujours.
Donc en Christ, nous devons nous mettre dans la volonté de Dieu. Demander à Dieu ce qu'il veut pour notre vie. Si c'est vivre longtemps, c'est bon. Si c'est vivre mais après avoir honoré son père et sa mère et après avoir préservé sa langue du mensonge. Je ne parle pas de quand tu as raccourci ta vie toi-même et puis tu dis que c'était la volonté de Dieu. Non, non, je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui a respecté les deux préliminaires. Mais qui, par la volonté de Dieu, Dieu dit, voici, je veux te prendre comme une semence. Je vais t'enlever maintenant au milieu de tes jours pour que tu puisses produire beaucoup de fruits. Comme il a dit, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a des gens que Dieu a pris comme ça. Ils sont nombreux, les martyrs, qui sont partis dans la force de l'âge. Mais pour Dieu, ce n'était pas une malédiction, c'est sa volonté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? La prière qui ne plaît pas à Dieu, c'est la prière de demander la longue vie pour toi. C'est-à-dire, tu n'as qu'à vivre longtemps seulement, tu n'as qu'à vivre longtemps, toi tu veux vivre longtemps pour pouvoir faire ce que tu veux. Non, Dieu dit, mets-toi en Christ. Ce que je n'ai pas donné à mon fils là, je ne vais pas te le donner à toi. Soyons clairs là-dessus, non? S'il nous donne la longue vie, il nous la donne en Christ pour faire sa volonté, mais pas pour nous-mêmes. Alléluia. Et pour pouvoir continuer à servir, comme nous l'avons vu dans les premiers points, tout ce qu'il a mis autour de nous. Amen. La deuxième prière qui ne plaît pas à Dieu, c'est la prière pour les richesses. La prière pour les richesses. La prière pour les richesses. Demander des richesses pour soi ne plaît pas à Dieu. Pourquoi? Parce que la richesse ne sert, la richesse à elle seule disparaît toute seule. C'est-à-dire que la Bible dit dans Proverbe 23, verset 5, que la richesse se fait des ailes, comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Donc Dieu ne veut pas te donner un truc qui va se volatiliser. Si tu as la richesse seule comme ça, sans Christ, hein? Ou bien tu as commencé avec Christ, mais dès que tu as eu la richesse, là, tu as disparu. Dieu te dit que la richesse va se faire des ailes. Elle te suit au début. Quand elle voit que Christ n'est plus là, elle devient un aigle. Pip, 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 pip. Elle est partie. Donc, tu auras demandé quelque chose de passager qui disparaît. Et Dieu ne veut pas que nous puissions avoir des choses qui sont passagères et qui vont disparaître. Et la deuxième raison, et qui est la capitale, par rapport à Christ, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. N'oubliez jamais ça. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Jean chapitre 15, verset 20. Jésus parle, il dit, Jean chapitre 15, verset 20, il dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. » Dieu veut que tu te souviennes de cette parole-là tous les jours. Jésus veut que tu te souviennes de cette parole-là tous les jours. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc, on a prié, on a dit, on s'est placé comme un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Et il dit, tu ne seras jamais plus grand que ton maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils vous garderont aussi la vôtre. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Jésus est venu, il a marché, il a fait d'une seule chose sa priorité, c'est de chercher les âmes perdues. C'est de délivrer, c'est de guérir, c'est de chasser les démons, c'est de mourir à la croix pour ouvrir une nouvelle à l'humanité le royaume de Dieu, l'accès au royaume de Dieu. Et en partant, il nous a laissé une seule chose. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Il y a un temps où il reviendra comme le roi de gloire. Il y a un temps où il reviendra comme le roi glorieux. Et quand il s'assiera, il dominera, il régnera avec un sceptre de fer. Il brisera toute rébellion avec un sceptre de fer. Il sera glorieux, majestueux. Il ne sera plus le roi qui est assis sur un petit âne. Mais toi, tu veux devancer le maître. C'est aujourd'hui que toi, tu veux t'asseoir sur les châteaux. C'est aujourd'hui que toi, tu veux faire tout. Tu ne peux pas être plus grand que le maître. Ce n'est pas possible. Des gens veulent, au lieu de faire ce que Jésus a dit, ils veulent l'âge du règne aujourd'hui, maintenant. Non. Nous ne pouvons pas être plus grand que le maître. Nous ne pouvons pas être plus grand que le maître. Nous ne pouvons pas être plus grands que le maître. Et essayer d'être plus grand que le maître, c'est une insulte au roi.
Vous avez déjà vu un sujet dans un royaume essayer d'être plus grand que son roi? Il sera viré. Même si tu as l'argent, comment? Si ton roi a construit une maison où il a fait ça un étage, toi, tu ne peux pas aller construire 10 étages. Vous savez ça, non? Nous, on est, dans les républiques, là, on est tellement désordonnés qu'on ne comprend rien. Si ton roi a construit un étage, il vit dans un étage, toi, sujet, va à côté de lui faire 10 étages. Faut aller faire. Même si tu as l'argent, là, tu ne le fais pas. Parce que tu ne peux pas être plus grand que lui. Souvent, ce que les grands font, c'est qu'ils font ça et puis ils le donnent au roi. Ils disent, c'est pour toi. Il ne vit pas dedans. Hein? On a besoin de revenir et de regarder les choses attentivement. Ne nous laissons pas emballer par des modes, mais regardons les choses attentivement. Si Dieu n'a pas fait ça à Jésus, pourquoi le ferait-il aujourd'hui? Jésus a regardé le temple qui était bâti avec de l'or et tout ça. Il dit que ça, la pierre sur pierre, tout va être... Mais aujourd'hui, si notre chrétienté, c'est de bâtir des grands temples, si notre chrétienté, c'est de bâtir des choses luxueuses, si notre chrétienté, si c'est ça réussi là, donc Jésus a menti. Et Jésus ne peut pas mentir. Donc nous devons revenir à ces choses simples, essentielles. Il nous donne même... Quand il dit, il nous donne même beaucoup plus qu'il n'a fait en son temps. Mais on ne peut pas être plus grand que lui. On ne peut pas être plus grand que lui. Ne cherche même pas à être plus grand que lui. Mais fais ce qu'il te dit. Alléluia. En Christ, demander des richesses à Dieu ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Je te le dis, ça ne plaît pas à Dieu. Tu es assis en train de, Seigneur, donne-moi ceci, voiture, ceci, ça ne plaît pas à Dieu. Pour toi, ça ne plaît pas à Dieu. Si tu demandes la richesse parce que tu vois des pauvres qui pleurent, parce que tu as des choses qui sont dans ton cœur, tu es en train de faire des choses pour ceux qui t'entourent. Oui, ça plaît à Dieu. Mais pour toi-même, pour dire que là, je suis arrivé, ça ne plaît pas à Dieu. Je le répète de la part du Seigneur, ça ne lui plaît pas. Il t'a donné à manger, il t'a donné à boire, il t'a donné un toit, ça suffit. Va et fais ce qu'il t'a dit de faire. Si tu as le vêtement, tu as la nourriture, tu as le toit, ça suffit. Va et fais ce qu'il t'a dit de faire. Il n'y a personne ici à qui Dieu a privé le vêtement, la nourriture et le toit. Alors pourquoi ne faisons-nous pas ce qu'il nous demande? Pourquoi ne lui demandons-nous pas un cœur sage, un cœur intelligent, un cœur persévérant, un cœur plein d'amour, un cœur plein de compassion pour aller faire ce qu'il nous a demandé de faire? Nous sommes assis, enrichis-moi, fais-moi ceci, je veux cela. Dieu dit de te dire, ça ne lui plaît pas. Même s'il te le donne, il ne prend point plaisir en ce que tu fais. La troisième chose, et nous allons conclure avec ça, c'est que demander la mort de ses ennemis ne plaît pas à Dieu. En Christ, tu ne peux jamais t'asseoir, demander la mort de tes ennemis. Si tu demandes la mort de tes ennemis, tu meurs toi-même immédiatement. Tu comprends? Tu meurs, tu viens de semer la mort en toi-même parce que Dieu est juste. N'est-ce pas? Dieu est juste. Toi-même, tu es son ennemi parfois. Même en Christ, là, on se comporte comme des ennemis de Dieu. On est ses enfants, mais on peut se comporter comme ses ennemis. En faisant des choses qu'il n'aime pas, qu'il ne veut pas, on le fait quand même. Est-ce qu'il t'a tué? Il t'a tué? Non. Il ne nous a pas tués. Donc, il ne veut pas qu'on demande ça. Jésus a dit dans Matthieu 5, 45, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Romains 5, verset 10. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À combien plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? La vie de Jésus est une vie de réconciliation. C'est une vie, il est venu créer un pont entre les hommes et Dieu. Il est venu créer un pont. Il est venu enlever le mur d'inimitié. Il est venu créer un pont aussi entre les hommes. Les tribus qui ne se parlaient pas, il crée un pont. Les tribus qui ne devaient pas se marier, elles se marient. Les tribus qui ne devaient pas se saluer, elles se saluent. Les tribus qui ne pouvaient pas vivre ensemble, elles vivent ensemble. Dans cette assemblée, Dieu a montré ça. Tu vis avec un Camerounais, Gabonais, ça va? Ça va, non? Très bien.
Parce que le sang de Jésus est le sang de la réconciliation. C'est pour ça que dans cette assemblée, il n'y a pas « je suis Gabonais, je suis Camerounais, je suis ceci ». Non, on est tous des fils et des filles de Dieu. Dans une nation, il ne devrait pas avoir d'ethnicité. Celui-là, c'est ceci. Nous, on ne se marie pas avec ceux-là. Ça. Non, le sang de Christ Jésus a tout renversé. Les murs de séparation, l'inimitié, il est venu tout renverser. Donc, quand tu pries pour la mort de tes ennemis, tu es en train de négativiser. Tu es en train de dire que je ne veux pas la mort de Jésus. Je ne veux pas de son sang. Je ne veux pas de l'œuvre qu'il a faite. Moi, je veux d'une autre œuvre qui est contraire à ce que Dieu a décidé de faire. Est-ce que tu m'entends? Tu vois l'horreur aux yeux de Dieu? Est-ce que tu vois l'horreur de la prière pour la mort de ses ennemis aux yeux de Dieu? Celui qui n'a pas hésité de donner son propre fils. Et la Bible dit qu'il a plu à Dieu. C'est-à-dire que quand Jésus était en train de mourir, Dieu était heureux. Il dit, oh, mon plan est accompli. Oh, enfin, je pourrais me réconcilier avec mes ennemis. Les faux films qui disent que Jésus a une larme de Dieu qui est tombée, c'est faux. Il est écrit dans Ésaïe 53 qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie à la mort, il verra une postérité nombreuse. Et nous tous, nous sommes cette postérité qui est issue de Jésus. Dieu veut que nous continuions à être ces messagers de la réconciliation. Quand il y a un ennemi, Dieu dit, voilà, ça c'est très bien maintenant, je veux que tu démontres mon amour, je veux que tu démontres ma grâce, je veux pas que tu pries contre lui. Ça ne plaît pas à Dieu. Dieu en a vraiment horreur. Quand tu pries contre ton ennemi, quand tu pries pour qu'il meure, tu es en train de t'attaquer à la croix de Jésus. Tu es en train de renier le sacrifice. Tu es en train de renier l'œuvre qu'il a accomplie. Et Dieu ne peut pas être d'accord avec toi. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que tu entends? Il est une seule personne en qui Dieu a mis toute son affection. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Toutes les demandes que nous faisons, qui ne sont pas en Christ, qui ne sont pas exaucées en lui, Dieu dit non, ça ne me plaît pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 23, que nous devons demander à Dieu un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Salomon a demandé, il a dit, donne-moi un cœur intelligent. Nous devons demander au Père de gloire de nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et d'illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions savoir quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Tu m'as appelé là, Seigneur. C'est pour quel but? Tu m'as appelé là-haut. Donne-moi l'esprit de sagesse et de révélation. Que je sache que ces personnes qui m'entourent là, ces personnes que je suis en train de nourrir là, ces enfants que je suis en train de nourrir là, ces enfants que je suis en train de lever là, ces personnes, ces employés, ces collaborateurs qui m'entourent là, il y a quelque chose qui sont attachés à leur vie. Quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves au sein? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité, par la vertu de sa force. Il a déployé où? En Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite de Dieu le Père. Nous devons demander à Dieu, demandons-nous Père, oh, d'illumine les yeux de nos cœurs, donne-nous de ne savoir rien d'autre que Christ et Christ crucifié. Que toute la sagesse, la puissance que tu as mis en Christ là, que nous puissions demeurer dedans. Quoi que ce soit que je demande à Dieu, que ça trouve sa source là-bas. Alléluia. Ne dis pas c'est théorique, je n'arrive pas à appliquer ça dans ma vie. C'est très pratique ce que je suis en train de te dire. Tu es un enfant. Quelle est la sagesse de Christ pour toi en tant qu'enfant? Parce que Christ aussi a été un enfant. Christ est le Fils de Dieu. Hein? Donc, il peut très bien t'instruire et te dire ce qui est essentiel. Tu es un mari, mais Christ est l'époux. Tu es une épouse, mais Christ est ton époux. Hein? Tu es un serviteur. Christ est le serviteur de Dieu. Tu es un maître, mais Christ est le maître. Quoi que ce soit qu'on ait besoin de demander à Dieu, par rapport à la position dans laquelle il nous a placés,
nous devons demander un cœur, un esprit de sagesse et de révélation pour connaître Christ, pour pouvoir le manifester là où nous sommes. Quand je travaille en tant que serviteur, que ce soit Christ qu'on voit, Christ ne vole pas, Christ ne fait pas de faux papiers, Christ n'arnaque pas son patron, Christ ne ment pas. C'est ça que je veux aussi montrer. Christ travaille même quand il n'y a personne sous son regard. C'est ça que je veux démontrer. Christ est bon, il est patient. C'est ça que je veux démontrer. Alléluia. Je sais, cette parole est venue te sortir des prières qui ne plaisent pas à Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est venue te sortir des prières qui ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Elle est venue te sortir des prières qui ne plaisent pas à Dieu. Elle est venue te sortir des prières qui ne plaisent pas à Dieu. Si tu demandes à Dieu une maison, Dieu dit ça ne m'intéresse pas. Je veux un mariage, mais Dieu dit ça ne m'intéresse pas. Dis Seigneur, je veux une maison où je vais accueillir tous les déshérités, tous ceux qui n'ont pas de toi, tous ceux qui se sentent opprimés, tous ceux qui ont besoin de savoir qui tu es. Dieu dit, ah, là tu commences à parler. Tu as dit quoi? Ah, je vais te donner. Ah, je veux un mari que je veux savoir honorer comme tu l'as honoré. Je veux un mari que tu vas qui te sert, avec lequel je vais te servir, que les gens voient que c'est comme ça que Christ et l'église m'a. Dieu dit, ah, là, tu as mis Christ dedans, je suis là. Ah Seigneur, je veux être un enfant tel que Christ l'a été, soumis à ses parents. Je savais que j'étais venu pour faire ta volonté. Mais tant que le temps n'était pas arrivé, je suis resté soumis à mon père, à ma mère. Je veux être ceci. Je veux être un enfant soumis jusqu'à aller me faire baptiser par Jean-Baptiste, qui est mon petit. Mais à cause de toi, Seigneur, parce que je sais que tu es mon maître et que tu m'as donné ce cahier de charge-là, je suis allé, je l'ai fait. Dieu dit, ah, là c'est bon, je peux te donner ça. Ah Seigneur, je veux être un serviteur qui fait de bon cœur la volonté de Dieu. Dans cette entreprise-là, que le patron me voit, qu'il ne me voit pas, je veux servir avec intégrité. Comme si c'est toi que je suis en train de servir. Dieu dit, ah, là c'est bon, je peux t'exaucer. Je ne sais pas de quoi c'est fait toutes ces personnes qui m'entourent. Cette maison dans laquelle tu m'as mis là, je ne sais pas la destinée de ces gens-là. Mais si mon nom peut être attaché à eux, de manière à ce que, oh, quand tu vas dire qu'il est devenu quelqu'un, que tu puisses citer mon nom à côté en tant que servante, mais celle-là, elle a servi vaillamment dans leur maison, elle leur a donné du repos. Ah Seigneur, fais cela pour moi. Mais toi, tu es assis là, c'est toi. Ah, c'est moi. Si on ne me donne pas augmentation là, moi je quitte ici, hein. Moi je quitte ici. Si il me parle comme ça là, moi il ne fait pas ceci, hein. Moi il ne fait pas cela. Ah non, moi mon patron, non. C'est pas comme ça, ça marche. Tu as déjà vu Jésus marcher comme ça? Tu l'as déjà vu dans une telle expression? Joseph en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar, il savait qu'il était esclave, mais il n'en a pas fait un problème. Il savait que sa condition ne dépendait pas d'un homme. Il savait que sa condition était dans la main de papa, bon Dieu. Et il a vécu devant Dieu. Et mais Seigneur, c'est bien, je ne suis plus dans un trou. Soit Dieu soit loué. Au moins, je respire, je ne suis pas dans un trou. Donc, je servirai avec joie. La Bible dit, Paul dit que si quelqu'un était appelé dans l'état dans lequel il est, qu'il reste là-bas. S'il peut trouver un moyen de s'en libérer, mais que ça ne soit pas le focus de ta vie. Alléluia. Alléluia. Ne regarde pas la vie comme les hommes le voient. Ne regarde pas la vie comme les hommes le voient. Regarde la vie comme Dieu le voit. Et Dieu donne à chacun fidèlement sa récompense selon le travail qu'il a fait. Là où il t'a placé. Dieu te récompensera là où il t'a placé. En tant qu'enfant, en tant que fils, en tant que fille, en tant que mari, épouse, en tant que serviteur, en tant que maître, c'est là où Dieu te regarde et il va te récompenser là-bas. Alléluia. Que l'ordre divin règne et que nos prières puissent plaire à Dieu. Que les prières qui ne plaisent pas à Dieu soient mises de côté. Alléluia. Quand tu dis au début de l'année, longue vie, ça ne sert à rien de souhaiter à quelqu'un longue vie. Il n'a qu'à honorer son père et sa mère, préserver sa langue du mal et puis il va avoir longue vie. ça va changer quoi? Quand quelqu'un veut des richesses pour soi, Dieu dit n-n-n. Ce truc va brûler, le ciel, la terre va passer. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Ça veut dire au jour du feu là, le grand building va brûler, tout va brûler. Est-ce que vous pensez à ça? Tout va brûler. Mais est-ce qu'on ne doit pas habiter dans une maison? Oui, on habite, mais on ne fait pas de la maison notre but. Alléluia. La mort de nos ennemis, ça carrément même, c'est à bannir. Parce que si tu demandes la mort de ton ennemi,
Dieu est juste. Il faut qu'il fasse la même chose pour toi. Ou bien, pardonne-leur comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, Seigneur, tue-leur, tue-moi comme j'ai tué aussi les autres. Ou bien, hein? Si tu tues, Dieu doit faire quoi? Te tuer aussi. Et tout se trouve en Christ. Tout se trouve en Christ. Tout ce que Dieu nous a annoncé ce soir-là, ce matin, c'est pour nous dire simplement, reste en Christ. Tu as besoin de la force, tu as besoin de longue vie, reste en Christ. Obéis à sa parole. Parce qu'en obéissant au nom à ton père et à ta mère, c'est à Christ que tu obéis. Puisque Christ est la parole. Tu comprends? Quand tu es en Christ là, dis que rien ne va te manquer. Il dit, tu cherches son royaume là, rien ne va te manquer. Tu n'as pas besoin de t'agenouiller pour demander, c'est pas moi quoi. Il dit, ça va te suivre. Quand je suis allée à Abidjan, j'avais 200 dirhams dans mon sac. Quand je suis arrivée à l'aéroport, j'avais oublié mon carnet de vaccination. Donc, ils m'ont vacciné. Ils m'ont dit de payer 7000 francs CFA. Je n'avais pas 7000 francs. J'ai dit que j'ai 200 dirhams, mais ils m'ont dit de donner que ça fait 155 dirhams. J'ai dit, aïe, 7000 fait 155 dirhams. Ta conversion là est un peu forte. Hein? Il me dit, bon, si tu veux, tu n'as qu'à sortir pour aller faire le change et revenir. Bon, je ne voulais pas sortir. Donc, je lui ai donné les 200 dirhams. Il m'a fait la vaccination, il m'a donné le carnet. Et il me donne 1000 francs CFA. 155 dirhams, là, la monnaie, là, c'est 1000 francs. 1000 francs CFA, ok. J'ai pris mes 1000 francs, j'ai empoché, j'ai pris mon carnet, j'ai mis dans mon sac, je suis sortie. Quand je suis sortie, il y a une dame, là, contrôle sanitaire des fruits et légumes. Elle me dit que je dois payer 5000 parce que je dois avoir une autorisation pour faire entrer des fruits dans le pays. Ah! J'ai dit, madame, j'ai 1000 francs dans mon sac. Elle dit, il faut donner. J'ai donné les 1000 francs, elle m'a laissé passer. Donc, je suis entrée à Abidjan comme ça, sans un rond dans mon sac. Maintenant, j'étais là et on me dit que je dois faire le test COVID pour revenir et que le test coûte 50 000. Donc, j'ai commencé à appeler pour qu'on me fasse un envoi. Et dans mon cœur, le Seigneur me disait, reste calme, reste calme. J'ai dit, ok. Donc, quand j'ai dit ça, la personne était là. Mais maman, je t'envoie l'envoi quand? J'ai dit, reste calme d'abord, reste calme, attends. Le lendemain, j'étais là, tranquille, et je reçois un message. « Ah, maman, tu es à côté de moi !» J'ai dit, « Oui, c'était une sœur qui était ici, qui est au Libéria. Tu es à côté de moi ?» J'ai dit, « Oui. »« Oh, mais je dois venir te voir, je ne peux pas savoir que tu es à côté de moi, et puis je ne viens pas te voir. » J'ai dit, « Ah, c'est à toi de voir, moi je suis là. » Elle me dit, « Non, moi, j'ai examen mardi, donc je dois passer mon examen, donc je ne peux pas voyager, mais il faut que je te fasse un envoi. » Et elle me fait un envoi qui fait trois fois ce dont j'avais besoin. Donc, je me suis assis là, j'ai dit, ah Dieu, tu es bon, tu es grand, tu es fort. Tu veux faire tout ce que tu veux, comme tu le veux. Et finalement, COVID, là, je n'ai pas payé un rond. J'ai remis mon argent dans mon sac et je suis venue. Donc, c'est pour simplement dire que je n'ai rien demandé à Dieu. Je n'ai pas dit, non, j'étais là et le Seigneur s'en est occupé. Il y a 1000 exemples. Si je commençais à vous raconter tous les exemples de provision, je n'en finirais pas. Mais l'essentiel, ce n'est pas pour que vous puissiez suivre Dieu à cause de la provision, mais pour que vous puissiez aimer Dieu, Christ tel qu'il est, comme il est. Et lui, il s'occupe de tout, de tout ce qui vous concerne. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous et que les prières qui ne plaisent pas à Dieu là ne soient plus jamais mentionnées dans nos vies. Mais que seulement les prières qui plaisent à Dieu soient notre portion. Alléluia. À Dieu soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Faire un temps de prière. Tu vas répondre à la parole de Dieu telle qu'elle t'a été donnée ce matin. Le premier, on va faire trois points de prière. Et le premier point de prière, c'est que tu vas louer la bonté de Dieu qui t'a conduit jusque-là. Avec les vertueuses, on a eu un midi où on s'est arrêté pour regarder tout ce que Dieu a fait jusque-là, comment il nous a sauvés jusque-là. Et tous ensemble, ce matin, revois la bonté de Dieu, comme Salomon l'a fait. Il a regardé la bonté de Dieu.
Il a regardé comment Dieu a été bienveillant envers son père. Il a regardé comment Dieu a été bienveillant envers son père, envers lui-même. Et il a loué le Seigneur. Alors ce matin, ouvre ta bouche et reconnais la bonté de Dieu. Reconnais la bonté de Dieu. C'est pas du bout des lèvres. Rentre en toi-même. Et dis à Dieu, oh Dieu, montre-moi combien tu es bon pour moi. Si tu ne sais pas en quoi Dieu est bon, dis-lui, montre-moi comment tu es bon pour moi. Mais si tu vois la bonté de Dieu, dis-lui, oh Dieu, j'étais perdu. Oh Dieu, j'étais égaré. Oh Dieu, tu étais si bon pour nous. Tu étais si bon pour moi. Tu étais si bon pour moi. Tu es venu me sortir de la boue du péché. Alors que j'étais digne de la mort. J'ai commis des péchés qui étaient dignes de la mort. Mais tu ne m'as pas tué. Tu m'as donné la vie en Jésus-Christ. Oh, Jésus est venu avec la vie. Oh Seigneur, et tu m'as placé en lui. En lui, tu m'as fait naître de nouveau. Tu m'as donné la vie éternelle. Tu m'as donné le salut. Tu m'as donné la justification. Tu m'as appelé. Tu m'as appelé ton élu, tu m'as appelé ta réconciliée avec toi, tu m'as appelé ton bien-aimé. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit la majesté. Seigneur, je loue et je bénis ton grand nom. Je bénis ton grand nom, je célèbre ton grand nom. Comme tu es digne d'être glorifié, comme tu es digne d'être élevé. Seigneur, à toi l'honneur, la louange et la gloire. Je te remercie de m'avoir aimé. Je te remercie de t'être fait connaître à ton serviteur, mon Père. Je te remercie, Seigneur, oh Dieu, de m'avoir amené dans cette nation, de m'avoir fait naître dans une famille de tes serviteurs. Je te remercie pour la parole qu'ils m'ont enseignée. Je te remercie pour la foi de mon Père. Je te remercie parce que j'ai vu sa confiance en toi. Je te remercie pour mon cœur que tu as ouvert, Seigneur. Je te remercie parce que le fardeau que tu lui as donné, tu me l'as transmis, Seigneur. Je te remercie de m'avoir connecté, Seigneur, à ce Père spirituel. Papa Karambiri, je te remercie pour sa foi, je te remercie, oh Dieu, pour son cœur entier pour toi, qui est pour l'évangile et pour le salut des âmes. Je te remercie, Seigneur, pour ce ton serviteur, mon mari, cet homme de grâce, Seigneur, que tu m'as donné. Je te remercie parce qu'ensemble nous formons une équipe pour ta gloire. Seigneur, donne-nous la sagesse, donne-nous un cœur bon, un cœur persévérant, un cœur sage et intelligent pour faire ta volonté. Seigneur, je reconnais que tu m'as placé, oh Dieu, comme un berger dans ton troupeau. Ah, toi qui es le divin berger, montre-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi tes pensées pour paître ton troupeau comme il le faut. Donne-moi tes pensées pour nourrir ton troupeau. Donne-moi tes pensées, ta force, ta présence, tes dons, Seigneur. Oh, pour guérir ton troupeau. Oh, pour paître ton troupeau. Pour fortifier celle qui est faible. Pour relever celle qui est abattue. Donne-moi ta force, Seigneur. Là où tu es, à ton niveau, tu pries selon ta dimension. Si tu es un serviteur, dis à Dieu, donne-moi ta force afin que je puisse servir ces maîtres que tu m'as donnés avec joie, avec un dévouement de cœur, avec empressement, avec un cœur bon. Oh Seigneur, donne-moi un cœur doux, un cœur paisible, oh, afin que je sois une bonne épouse. Oh, donne-moi un cœur aimant afin que je sois un bon mari. Donne-moi un cœur obéissant afin que je respecte et j'honore mon père et ma mère. Seigneur, prie maintenant, prie et demande à Dieu. Si tu es un maître, demande à Dieu de te donner un cœur équitable, un cœur juste, afin que tu puisses faire ce qui est bien à ceux qui travaillent pour toi. Oh Seigneur, nous te demandons cela. Prie de tout ton cœur. Ce n'est pas le temps de prier légèrement. Tu dois prier de tout ton cœur, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Si tu, où que tu sois, dans les quatre catégories, tu te retrouves là-bas. Oh Seigneur, Rabba Santa. Oh shekere bababa, oh raba santa yendere baba, robo saka hinda raba handa yendere be, robo shendere be. Donne-moi un cœur, ce cœur aimant, ce cœur compatissant, ce cœur qui paie ton troupeau, oh comme il le faut, comme il se doit. Seigneur, ce cœur qui le paie avec des mains intelligentes, un cœur intelligent, je te le demande au nom de Jésus. Un cœur patient, un cœur bon, oh je te le demande au nom de Jésus. Un cœur, Seigneur, qui fait ta volonté, car ce peuple t'appartient. Et Seigneur, tu veux le voir avec
toi au dernier jour. Je prie, Seigneur, et chacun selon le niveau, la dimension ou la condition dans laquelle il est, Seigneur, je prie que chacun fasse monter des prières du fond de leur cœur, oh, vers toi et vers toi seul. Remplis-nous de l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse et de révélation, et fais-nous te connaître. Illumine les yeux de nos cœurs et fais-nous te connaître. Et ainsi comme un seul homme, chacun en étant comme ton serviteur, nous marchons à ta suite sans crainte jusqu'au jour de ton retour où tu viendras nous prendre. À toi seul soit l'honneur, la louange et la gloire, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen.